Salut tout le monde, c'est Rodanjou, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour comment avoir le sac des braquages sur GTA V Online en mode libre et qui marche sur toutes les consoles, donc que ce soit PS3, PC, GTA, Xbox One, PS4. Donc là le gameplay on était sur Xbox One. Donc il faudra tout simplement vous rendre un Imunation. Tout simplement. Et pendant que j'y vais, je vais vous remercier. On est à 673 abonnés. Je vous remercie énormément. Je fais beaucoup de live en ce moment sur Twitch. J'ai 9 followers. Et vous pouvez faire des dons maintenant. J'ai réussi. Et voilà. Franchement, ça me toucherait énormément à cœur si vous pouvez m'en faire. Je recherche tout le temps des stunts. Envoyez-moi toujours vos stunts à mon Skype RosanJou49. Et voilà. Donc là, on rentre dans le Imunation. Donc voilà. Hop, tranquille. Bonjour, monsieur. Donc voilà, on rentre. Vous faites comme si vous achetez une arme. Et vous allez prendre un parachute. Voilà. Après, vous allez dans... voilà. Et vous allez prendre le parachute de... Je sais plus comment... La Palestine, voilà. Ben, j'ai pas pris ceux de la Palestine. Genre, j'étais devant. Bon. Ouais, parce que là, ma vidéo, je la fais pas en live, c'est sûr. Palestine, tu l'as vu. Ah oui, c'est Israël, pardon, et Palestine. Après, si vous prenez que l'Israël, votre sac sera plein d'argent. Si vous prenez que la Palestine, il sera fermé. Donc voilà, donc, moi j'ai essayé, mais le sac de la Palestine, en fait, de l'Israël, il est juste un peu plus gros. Donc peut-être qu'il y a plus d'Afrique dedans. Je sais vraiment pas. Et donc voilà. Donc après, j'ai mis un... Faut vous mettez un point à un coiffeur. Donc on va s'y rendre. Tout de suite, voilà. Donc vous vous arrêtez devant le coiffeur. Tac, voilà. Vous vous équipez de votre parachute, donc l'Israël ou la Palestine. Moi j'avais mis la Palestine. Vous rentrez et là vous allez dire que vous voulez faire une nouvelle coiffure. Donc voilà. Et dès que le menu s'affichera, vous ferez B et le sac des braquages va respawn automatiquement. Voilà. Et voilà, ce tutoriel est fini. Comment avoir le sac des braquages, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vraiment un tutoriel assez facile et assez drôle. C'est assez swag d'avoir un petit sac des braquages comme ça quand tu te promènes au calme. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt à 700 abonnés, je compte sur vous. C'est tout le monde, c'était Rosanjou. À la prochaine, tchuss.